Et salut, c'est Seb. On se retrouve, oui, vous le voyez sur GT Sport et oui, vous le voyez en carte. Alors, on est sur le championnat des nations. On va essayer de représenter un peu la France. C'est la première fois que je fais du karting sur GT Sport, donc c'est un petit peu particulier pour moi. On est sur le Red Bull Ring version courte, le short, et on va faire 22 tours. Donc, assez compliqué. On doit être 19 ou 20, je crois, sur cette manche-là. Et j'ai réussi à me hisser, je crois, à la 9e place. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. On croise les doigts. C'est assez compliqué hein, le karting, on va en discuter pendant la course. Mais c'est pas la catégorie la plus simple. On peut vite faire des erreurs. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. 7e. 8e, et je crois que je suis juste derrière. C'est pas la catégorie reine, hein, mais c'est vrai qu'au moins l'avantage en Nation, c'est que on passe vraiment. Bah, d'une catégorie de route à une catégorie de kart à une catégorie de course, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir sur la Nation plutôt que la Manufacturer. Donc voilà, on va se retrouver sur la grille de départ. Voilà, on se retrouve donc sur la grille de départ, comme je viens de le dire. Alors normalement la vitesse c'est au shifter, mais je peux pas configurer mon TH8. Pourtant il me semblait que ça marchait. Bon bref, j'ai pas trouvé. On doit être 3 ou 4 Français, je crois, 4 derrière moi, 3 derrière moi. Allez, donc particularité du karting, c'est la course très limitée de la rotation du volant. Donc une prise très directe. Donc ça c'est particulier à conduire. Allez, on va essayer déjà de trouver les bons points de freinage. Voilà, déjà merci. C'était à douter. Donc visiblement, je sais pas si c'est vrai, il y a énormément d'aspiration. On va essayer de faire au mieux. Derrière, ça me suit toujours les Français. Je vais me faire à l'intérieur normalement. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est encore là en plus. Ah, mais... Merci les gars, c'est bien. C'est la Nations, c'est parfait. Il fait défoncer par les Français. Alors je sais que j'avais dit sur ma vidéo qui date maintenant d'un mois que je faisais plus de GT Sport, que je me concentrais sur trois simulations, mais au final ça change rien du tout, donc ça reste du racing, donc du coup, et puis c'est ma chaîne, donc voilà, on va pas s'emmerder, ça me fait plaisir, on va rester là-dessus. Ah, c'est la merde, tu peux rien faire. Très compliqué comme catégorie. Derrière, on a creusé le tour, il y a encore du monde devant, mais ouais. Ah oui, mais grand. Ah, c'est la bagarre, l'autre il fait la tondeuse là-bas au bout. Oui, tape-moi, viens. Plus t'as une pénalité, alors dégage. On est revenu 9e. Ah, le top 10, je crois qu'ils me prennent 2 à 3 secondes au tour. Autant vous dire, c'est énorme. Allez, là on va essayer de bien le prendre. Pas trop mal.
Ouais, faut bien rester collé derrière quand même, visiblement. C'est assez gênant hein, pour doubler. Ah, c'est du direct, hein. Dès que tu te loupes. J'ai dû lâcher. Nos amis les Espagnols devant, on va essayer de revenir dessus. Pas le top 5, je vise ce que je peux, mais c'est vrai que c'est. Oh, il revient, mais une de ses vitesses. Il y a un bouton, il y a quelque chose à appuyer, c'est pas possible. Je comprends pas la vitesse où il me revient dessus. Allez, faut qu'on refile le train d'Espagnol devant. Ce serait cool. Petit groupe de Français qui s'est de nouveau formé. Mais pourquoi il me revient comme ça? Ça, j'ai encore oublié une astuce où je regarde un peu les indications en bas à gauche, mais je vois rien. Non, je sais pas qu'est-ce qui fait que je sois moins rapide comme ça en ligne droite, parce que devant je le reprends pas plus que ça. Bizarre. Allez, on se concentre devant. Là, il s'est loupé. Il va protéger l'Inter. Allez, P6. Allez, il est là. Il va me faire chier, Passe pas à l'intérieur maintenant. C'est de ma faute, j'ai pas voulu accélérer, sinon j'avais peur de partir. Il va falloir que je lâche. Wow, salaud. Salaud, il s'est décalé pour protéger sa place, mais pas top, hein.
Ah mais il y a du monde là. Allez, allez, on est pas mal. On est bienvenu sur le trio de tête, donc ça c'est pas mal. Je vous ai pas fait la manche précédente parce que j'ai pas eu le temps de. Enfin, j'ai roulé, mais j'ai pas eu le temps vraiment de m'y consacrer, donc. Et puis c'était un peu la foire, très honnêtement. C'était un peu le bordel. Je suis là, grand, je suis là. Je sais pas si t'as des rétros. Tu... Non, mais je suis toujours là. Hein. Salaud. On va prendre un peu à l'extérieur. Putain, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ah, tu peux perdre vite énormément de place, hein. C'est hallucinant. Tu peux vite passer de 5e à 12e. C'est... Allez, on est à la moitié. J'avais l'air d'apprendre qu'il y a un boost ou quelque chose en plus sur ces cartes là parce que je suis pas du tout au courant. Ouais mais faut pas vous arrêter les gars. Comment vous faites pour être cinquième si vous arrêtez Ah non, bouge pas toi. De la portière. Hein. Bon, il y en a pas, mais c'est pas grave. Un espagnol, un allemand après devant. Allez, faut le prendre avant le virage. Je me suis loupé. Désolé. Pas fait exprès, je voulais juste prendre la spi. Regarde-moi ça, comment ils vont freiner. Ah, il y a quand même de l'action. Ouais, dans un trou de souris. Dans les rapports au maximum. Ouais, j'arrive encore au mauvais endroit, au mauvais moment. Oh, je me suis loupé, je me suis loupé. Je me suis loupé. Et lui, il va arriver pile au mauvais moment, mauvais endroit. Oh, ça va, il devrait peut-être y arriver. Allez, je suis à l'intérieur de toute façon. C'est dingue la facilité à laquelle il y a être doublé. Je crois qu'il faut vraiment être juste derrière pour pouvoir prendre un maximum d'aspiration, voilà, à mon avis ici, voilà. Je regarde mon petit radar en bas à droite. Il est juste là. Garde quand même un petit filet de gaz. Il s'éloigne à notre ami le P4, le P3, ils vont.
faudrait qu'ils fassent une petite erreur pour qu'on puisse les reprendre. Mais tant qu'on va se faire chier à deux là. De toute façon, il va freiner lui. Ah, c'est pas possible. Je me méfie, hein, ça revient derrière. Allez, il reste plus que 5 tours à peu près. Oh putain, derrière, ouais, c'est vraiment venu. Il y a une pena, je sais pas si c'est pour lui. Ici, il faut que j'assure. Il y en a un qui s'est sorti, j'ai bien passé. Je suis limite plus concentré si j'étais en GT3 ou autre chose. N'arrive pas à les raccrocher devant. Oh, il est parti en spin, je sais pas quoi devant. La course n'est jamais terminée, comme quoi. P3 qui s'est sorti, ou je sais pas. Ah, et pénalité pour le P2 peut-être. Non, c'est quelqu'un d'autre. Allez, reste là, mon mignon. Je suis à l'intérieur, ça c'est bon pour moi. Je me suis bien un petit peu viandé. C'est un peu comme la NASCAR en fait, tu te passes, tu te repasses. T'as beau prendre les meilleurs trajets, c'est pas ça qui fait la diff. Qu'est-ce qu'il fait le P3? Qu'est-ce qu'il fait? Le mec se prend des barrières et il est encore devant. Alors, je l'ai bien passé. Regardez-moi ça, comment il revient. Mais ah, vous allez rigoler, hein, s'il y avait quelque chose à faire au niveau de la conduite. Hein. Ah ouais, mais va-t'en.
Ah, sixième, il revient. Restez deux tours. Peut-être P3 ou P5, ou P6 même. Intense, hein. Je dis pas que c'est ce que je préfère comme catégorie, mais il y a de quoi. De quoi s'amuser. Oh, ils se sont foutus en l'air derrière, c'est bon. Par contre, le troisième, dernier tour, à mon avis, c'est compliqué. Déjà, essayer de pas se faire reprendre. Si je passe bien le virage là, je peux revenir à peu près. Non. Ça me paraît compromis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si déjà si la course vous a plu, mais si ce type de catégorie vous intéresse. Mais c'est vraiment, je le répète, mais les Nations, c'est vraiment bien pour ça. Tu passes vraiment de catégorie entre guillemets reine avec GT3 avec autre chose, donc ah, c'est con, il a fait une erreur. Bon, mais c'est pas mal ça, P4, la place du con, parce que forcément c'est pas le podium, mais par rapport à au qualif, par rapport à l'entraînement que j'ai, enfin voilà, je connais pas du tout la catégorie, donc et c'est vraiment, je vous le dis, particulier. Pour ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à commenter, à confirmer, c'est vraiment particulier. Tu peux pas pas te mettre trop de travers, sinon tu perds énormément de temps, donc non, on va regarder ça au niveau du des résultats. Les Français sont un peu plus en classement, donc 4e. Allez, quoi, 60 points au niveau du 53. Ouais, bah après tout dépend du niveau dans lequel j'étais, donc voilà. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et nous on se dit à une prochaine. Salut.